t'adorer. Il est bon de t'adorer, Seigneur. Oh, il est merveilleux. Celui que j'adore est sans comparable. Que le parfum de ma prière s'élève vers toi, les mains levées vers toi en sacrifice. Seigneur Jésus, tu m'accordes ta faveur. Oui, je sais, tu es miséricordieux. Ta parole est mon héritage à jamais, et mon cœur est résolu à t'obéir. En moi il n'y a point de place pour la rébellion. Ton amour me fait dominer la chair, et je proclame Jésus. Tu es mon Dieu, ta louange demeure dans ma bouche. Jésus, tu es mon Dieu, ta louange demeure. Ta louange demeure dans ma bouche. Est-ce qu'on peut reprendre ce premier couplet? Que le parfum de ma prière s'élève vers toi, les mains levées vers toi en sacrifice. Seigneur Jésus, tu m'accordes ta faveur. Et dans mon cœur, je le sais. Oui, je sais, tu es miséricordieux. Oh, ta parole est mon héritage à jamais. Je veux le suivre. Mon cœur est résolu à t'obéir. En moi il n'y a pas de place pour la rébellion. Et je domine. Ton amour me fait dominer la chair. Oh Jésus, tu es mon Dieu. Ta louange, ta louange demeure dans ma bouche. Proclame Jésus, tu es mon Dieu. Ta louange, ta louange demeure dans ma bouche. À toute la création je peux voir une limite, mais à tes commandements parfaits aucune. Ta parole est ma joie, ma méditation. Tu l'éveilles du soleil jusqu'à son couchant. Toutes tes voix sont amour et fidélité. La route est étroite, mais ton fardeau léger. Parce que volontiers tu es venu humblement. Volontiers je m'humilie devant toi. Et je dis Jésus, tu es mon Dieu. Je m'humilie. Jésus, tu es mon Dieu. Ta louange est dans ma bouche. Ta louange demeure dans ma bouche. Je lève la voix, je dis Jésus, tu es mon Dieu. Ta
partout sur la terre. Des louanges montent vers toi dans toutes les églises locales. Seigneur, des parfums de bonne odeur montent vers toi sur toute la surface de la terre. Des gens que tu as sauvés, des gens pour qui tu es le Père, ne se taisent pas et ils t'adorent. Dans toutes les nations, Seigneur, ils glorifient ton nom. Est-ce que nous pouvons adorer avec cet instrument la même chose? Il est digne d'être adoré avec des instruments à cordes. Nous faisons monter vers toi, Seigneur. Souviens-toi de son amour, contemple. Alléluia. Comme un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, reçois. Des eaux fleuves, des fleuves de vive, Seigneur. Nous harmonisons nos voix, nous chantons pour toi. Pendant que la chorale le proclame, élève la voix avec tes propres mots. Bénis le Seigneur, adore-le avec tes propres mots. Pendant que la chorale continue, ne te tais pas. Parle à ton Dieu, parle à ton Père, parle à ton Dieu. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant en toute liberté. Mmh.
Gloire au nom de Jésus. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Gloire à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Gloire à celui qui nous a rassemblés ici. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. C'est pour toi que nous sommes ici. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé cette nation. C'est toi qui nous a créés, qui nous a rachetés, qui nous a recréés en toi et qui a fait de nous des nouvelles créations. C'est grâce à ton sacrifice que nous pouvons dire Abba Père. C'est grâce à ton esprit en nous que Dieu est notre Père. C'est grâce à toi que la terre a connu ce jour. C'est grâce à toi que nous sommes ici en ce lieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour l'honneur de t'avoir en nous. Pour l'honneur, le privilège immense de t'avoir au milieu de nous. Merci pour ce beau jour et pour toutes les belles choses que tu as prévues. Encore une fois, de libérer sur nous. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous avons nos cœurs ouverts, nous avons soif et nous avons confiance en toi. Ô Saint-Esprit, merci de nous parler et de nous édifier. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est digne, n'est-ce pas? Amen. Shalom, shalom, shalom. C'est un beau jour. Vous avez constaté que Pasteur Arlette n'est pas là. Elle est à Accra. Elle était partie pour la bénédiction d'un mariage là-bas. Et elle revient au courant de la semaine. Nous avons aussi une bonne nouvelle, c'est que nous avons pu obtenir un lot de 500 Bibles qui est arrivé. C'est un miracle parce que c'est pour la première fois que autant de Bibles peuvent venir et par la voie officielle. Donc pour cette première expérience, c'est une occasion spéciale. Et donc, le prix sera aussi spécial. Il coûte simplement 50 dirhams. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Pour les ouvertures qu'il est en train de donner à la nation. Afin que l'évangile se répande. Et que Jésus soit glorifié. Donc, ces Bibles sont disponibles. Vous ne comprenez pas le miracle, mais pour nous qui sommes ici, je peux vous dire que ça, là, c'est un très grand miracle. Amen. Non, je ne dois pas dire beaucoup de choses, mais c'est un miracle. Alléluia. Aujourd'hui aussi est un jour spécial parce que nous avons la joie de recevoir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui vont nous apporter la parole. Je vais les présenter. Nous allons recevoir tout à l'heure la parole du Seigneur à travers le pasteur Victor Mabiala, qui est là.
Nous acclamons aussi maman Mabiala, qui est à côté. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ils vous connaissent tous. Parce qu'ils font partie de cette assemblée. Ils viennent ici depuis de longues années, mais ils sont pleins d'humilité et de discrétion. Mais ce sont des aînés pour moi, des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect et qui m'apprennent beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous avons la grâce de bénéficier de leur ministère. Ils servent à la communauté chrétienne de Brazzaville, au Congo Brazzaville. Et ils ont une longue expérience de la foi pratique depuis longtemps. Vraiment, je suis content que nous ayons l'opportunité de les mettre devant, parce qu'ils se cachent toujours à chaque fois qu'ils viennent. Mais aujourd'hui, on vous a eu. Alléluia. Pendant que Pasteur Victor s'approche, est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? Alléluia. Comme a dit le pasteur Doudou, je suis le pasteur Victor Mabiala. Je sers à la communauté chrétienne de Brazzaville, sous les pieds de l'apôtre Francis Gadenga. Amen. Je suis marié à Miss Merveille. C'est la merveille que Dieu m'a donnée. Amen. Amen. Pour la petite histoire, un jour, elle était sur le champ du Seigneur pour chercher les brebis perdues, les âmes pour le Seigneur. Et puis, dans la rue, elle rencontre une brebis perdue. Elle ne rencontre pas des brebis, mais une brebis perdue. Amen. C'était une brebis spéciale. Et cette brebis était à la recherche d'une femme vertueuse. Elle était à la recherche d'une âme pour le Seigneur. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas, mais Dieu a concilié les deux. Aujourd'hui, nous sommes là. Je bénis le pasteur Doudou et sa chère épouse qui n'est pas là, qui est au Ghana. Avant qu'elle ne parte, on s'est vu. Merci pour cette confiance, parce que c'est une lourde responsabilité. Je bénis tous les responsables, je bénis l'Église. Je dis que je vous aime. Amen. Et ce matin, je crois que nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Et je crois que Dieu a une parole pour quelqu'un, Dieu a une parole pour quelqu'une ce matin. Et s'il y a un thème à donner au message de ce matin, c'est une question. Où es-tu? Amen. Où es-tu? C'est le thème du message de ce matin que nous allons tirer dans le livre de Genèse. Genèse 3, du verset 8 au verset 9. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Ce matin, si nous sommes là, c'est le fruit de ton amour. Parce que nous n'avons rien, absolument rien. La vie que nous avons, c'est une grâce. La bonne santé, c'est une grâce. Si nous sommes en ces lieux pour t'adorer, t'élever, te glorifier, te louer, c'est une grâce, tout n'est que grâce. Voilà pourquoi nous voulons t'élever.
Saint-Esprit, que pouvons-nous faire sans toi? Sans toi, nous ne pouvons rien. Excellent Maître, le parfait enseignant, c'est toi. Le Maître de la révélation, c'est toi, parce que c'est toi qui connais la pensée du Père. Nous ne la connaissons pas. Si nous connaissons, c'est toi. Alors, cher Saint-Esprit, Majesté, Excellence, nous voulons te confier, te donner ces moments. Prends la direction de toutes choses et je ramène à l'obéissance de Christ toute pensée captive. Que ton règne vienne et que tu règnes à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Mettez-vous, comme on dit quelque part. Genèse 3, du verset 8 au verset 9. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole du Seigneur? Parce que c'est sa parole. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Cette histoire, nous la connaissons tous, mais peut-être que je vais rappeler le contexte pour les nouveaux. On va faire un petit rappel. Adam et Ève avaient été placés dans un jardin, le jardin d'Éden, par Dieu. Et ils avaient pour mission de cultiver et d'entretenir le jardin. Et la Bible dit qu'ils étaient nus, couverts tout simplement par la gloire de Dieu. Et ils avaient la permission de manger tous les fruits. Tous les fruits des arbres qui étaient dans le jardin, sauf celui de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le contexte. Et plus tard, le serpent est venu les tromper et ce fut la catastrophe. Ils ont oublié l'instruction que Dieu leur avait donnée. Ils ont mangé. Et ce fut la chute, la catastrophe. Et ce jour-là, c'est le soir. La Bible dit que c'est le soir. Dieu était en train de parcourir le jardin. Et pendant qu'il parcourait le jardin, il n'avait même pas encore appelé Adam. Il n'avait même pas encore appelé Ève. Rien que par le bruit des pas, rien qu'au son de sa voix, ils ont fui, ils sont allés se cacher. Et ce matin, je voudrais tous qu'on puisse se remémorer cette hypothèse, mais surtout cette question que le Seigneur avait posée à Adam. Où es-tu? Où es-tu? Souvent, quand je médite ce passage, je m'arrête. Je m'arrête pour faire un état de lieu. Je m'arrête pour faire un bilan. Je m'arrête pour me poser des questions moi-même, pour me dire où suis-je. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame le Seigneur pour m'encourager.
Cette question est peut-être d'actualité aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu? Peut-être que ce matin-là, Dieu avait discuté, avait partagé, avait peut-être mangé avec Adam et Ève. Ensuite, il est parti. Ça veut dire qu'il les a laissés à un endroit précis, dans une position précise. Mais le soir, quand il revient, il n'était plus là. Il n'était plus là. D'où la question de Dieu. Où es-tu? Je ne te vois pas. Où es-tu? Je ne te vois pas. Ça veut dire que Dieu avait besoin d'Adam et aussi de Ève dans sa présence. Dans sa présence. Parce que il y a un endroit, il y a un là où Dieu nous veut. C'est dans sa présence. C'est devant lui. Parce que la vie, c'est dans sa présence. La bénédiction, c'est dans sa présence. La sécurité, c'est dans sa présence. Hors de lui, il n'y a pas de sécurité. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, « Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as la vie. » Ça me rappelle un peu le psaume 65, le verset 4. Dans d'autres versions, c'est le verset 5, où on dit « Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur dans ta maison, de la sainteté de ton temple. » Ça veut dire que le bonheur ne se trouve nulle part ailleurs que dans la présence de notre Dieu. Hors de lui, il n'y a pas de bonheur. Le vrai bonheur, c'est dans sa présence. La vie, c'est dans sa présence. La solution, c'est dans sa présence. Voilà pourquoi il dit qu'il cherche des adorateurs. Il les cherche. Quand il dit qu'il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Alléluia. Et c'est dans sa présence que nous avons les vrais adorateurs. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons, permettez-moi le terme, déshabiller Dieu. Alléluia. Parce que l'intimité appartient au couple. Si tu n'es pas l'intime de Dieu, tu ne peux pas vivre, voir l'intimité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'intime. Où es-tu? J'ai besoin de toi dans mon intimité, dans ma présence, pour que je te révèle ma pensée, pour que je te montre la direction et la voie à suivre. Nulle part ailleurs. Est-ce que tu es là avec moi? Et ce jour-là, la Bible dit que Dieu était en train de parcourir. Ça veut dire, quand on parle de parcours, ça veut dire que c'est un chemin, ça veut dire que c'est une marche. Dieu parcourait. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est une marche. Après le salut, on ne s'arrête pas. On entre par la porte étroite du salut. Mais là, ce n'est que le commencement. Après, il faut continuer la marche. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il parle de chemin. La porte est étroite, mais le chemin est resserré. Pourquoi resserré? Parce qu'il y a des contraintes. Tout le temps, tu dois être dans la confession, dans la repentance, dans le renoncement, dans la fidélité, dans la fermeté, dans la transparence, dans le jeûne, dans la prière. On peut lire Matthieu 7, le verset 14. Il n'y a pas de répit. Alléluia. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible dans la salle? Matthieu 7, le verset 14.
Matthieu 7, le verset 14. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible? Je voudrais que nous puissions communier. C'est une communion. C'est un repas que nous sommes en train de partager. Que je ne mange pas seul, mais que nous mangeons tous ensemble. Matthieu 7, le verset 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Étroite est la porte. Étroite est la porte du salut. La vie chrétienne, c'est pas seulement le salut. Après le salut, après avoir donné la vie au Seigneur Jésus, il faut maintenant marcher. Il faut marcher. Et la Bible dit que le chemin, il est resserré. Ce chemin, il est étroit parce qu'il y aura des embûches. Le monde se trouve tout autour. On nous présente l'autre chemin qui est large, qui mène vers la perdition. Mais le chemin qui mène à la vie, il est resserré parce qu'il faut satisfaire à des obligations. Il faut satisfaire à beaucoup de contraintes. Tous les jours, il faut garder la marche et la tête haute. Tu peux trébucher, tu peux tomber, mais il faut se relever. Celui qui reste couché, c'est celui qui a terminé la course. Alléluia. Mais si tu n'as pas terminé la course, tu as trébuché, tu es tombé, relève-toi. Continue la marche, tu es sur le chemin. Et ce chemin est resserré parce que beaucoup d'entraves. Tous les jours, il faut que tu te regardes. Tous les jours, il faut une remise en cause, repentance, renonciation, fermeté, jeûne, prière. C'est ça le chemin de la foi. C'est ça la marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Notre vie, c'est une vie qui doit être conforme à la vérité de la parole. On peut se comparer à un homme, mais l'homme est faillible. Il faut se comparer à la parole de Dieu. Si tu te compares à la parole de Dieu, dis-toi que tu as fait un bon choix. Dis-toi que tu n'iras pas vers un mur, tu n'iras pas vers un échec. Parce que le choix que tu as fait, c'est un bon choix. Alléluia. Où es-tu? Il n'était pas là, devant la présence du Seigneur. Où es-tu? Peut-être qu'il n'était pas sur le bon chemin. Il avait quitté le chemin resserré pour prendre le chemin qui était large, qui amène vers la perdition. Où es-tu? Cette question peut aussi nous ramener à l'état. La Bible dit qu'ils se cachaient et ils se sont fabriqués des habits en feuilles. Les feuilles qui peuvent sécher à n'importe quel moment. Des feuilles qui sont futiles. Il suffit que le soleil se lève comme à Casa actuellement pour que ces feuilles puissent sécher. Ils avaient jeté les habits de gloire pour prendre des habits qui étaient peut-être futiles, des habits que Dieu ne voulait pas. Ils ont tronqué les habits de gloire contre les habits temporaires. Vous pouvez vous rappeler de la parabole du festin des noces dans Matthieu 22, du verset 11 au verset 14, où le roi était entré pour voir. Il avait invité des gens aux noces de son fils, parce que son fils bien-aimé devait se marier. Et comme le fils bien-aimé devait se marier, il devait y avoir beaucoup de conviés. Mais les conviés qui devaient participer à ces noces, à cette fête, devaient avoir une tenue spéciale. Ils devaient avoir des habits de noces. Et ces habits de noces ne devaient pas être tachetés. Des habits de noces, c'était des habits spéciaux. Je ne sais pas quel est l'habit que tu portes et que je porte, moi. Mais ce jour-là, la Bible me dit qu'il y avait un homme qui avait réussi. Et comme toujours, il y a des gens qui réussissent à tromper la vigilance. Il rentre parce qu'il y avait la nourriture. Ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était une fête spéciale. Ce jour-là, ce n'était pas n'importe quel marié. Celui qui devait se marier, c'est le Seigneur Jésus, qui devait venir à la rencontre de ton église. Peut-être à ta rencontre, peut-être à ma rencontre.
rencontrer son épouse. Nous avons célébré des mariages ici. Vous savez tous que le jour du mariage, on ne porte pas n'importe quel habit. Essayez de regarder, vous verrez que les habits de mariée, il n'y a aucun trou. Il n'y a aucun trou. Il n'y a aucune tache en veille. Il n'y a aucune tache sur la robe de la mariée. Sur le costume du marié, il n'y a aucune tache. Même s'il y a un trou, on va dire, achetez un habit neuf. L'habit qu'on porte le jour des noces, l'habit qu'on porte le jour du mariage, cet habit n'est jamais troué. Cet habit, il n'y a pas de tache. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce jour-là, cet homme a réussi à tromper la vigilance et est rentré. Nous sommes à l'église. Je ne cite personne. Nous venons tous manger, nous sommes à la table du roi. Nous venons avec quel habit? Avec quel habit? Est-ce que nous avons nos habits de noces? Il était rentré. Il avait réussi à tromper la vigilance, même les gardiens. On a fouillé, mais il n'avait pas fait attention à l'habit. Il est rentré. Et quand le roi lui-même rentre, le regard est attiré. Peut-être qu'il le connaissait. Écoutez ce que la Bible dit. Il appelle mon ami. Il n'appelle pas par bandit. Il n'appelle pas par voleur. Il appelle mon ami. Quelle belle appellation, n'est-ce pas? Quand quelqu'un t'appelle par son ami, tu es déjà rassuré. N'est-ce pas que tu es rassuré? Quand il dit mon ami, l'homme est rassuré, mais c'est ce qui vient après. L'homme est rassuré. On peut lire la Bible. Matthieu 22. Verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Devant le roi, que peux-tu dire? Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui. Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Regardez l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient les patrons du jardin. C'est à eux qu'on avait confié la mission de cultiver, d'entretenir le jardin. Mais à la fin, comme ils avaient perdu les habits, ils furent chassés du jardin. Purement jeté dehors. Liez-le, mettez-le dehors. Où es-tu? Où sommes-nous? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Il fallait avoir un habit de noces. La question, peut-être que c'est une sous-question à la question principale qui nous a été posée dès le début. Est-ce que nous avons notre habit de noces? Et notre habit de noces, il est dans quel état? Il est dans quel état, l'habit de noces? Est-ce que tu portes l'habit qu'il faut? C'est une question, est-ce que je porte l'habit qu'il faut? Alléluia. Où es-tu? C'est une question lourde de sens. Peut-être que ça concerne aussi la qualité de notre service. Est-ce que tu es là où tu dois être? Est-ce que tu fais ce que tu dois faire? Est-ce que tu fais correctement le travail pour lequel
tu as été choisi. Où es-tu? Dans mon service. Peut-être nous qui sommes les prédicateurs, les pasteurs, où sommes-nous? C'est une question qui nous interpelle. Est-ce que nous avons le temps de l'écouter ou aujourd'hui nous faisons par nous-mêmes? Où es-tu? Ça te concerne, ça me concerne. Dans ton service, où es-tu? Est-ce que tu es là où tu dois être? Est-ce que tu fais ce que tu dois faire? Est-ce que tu sais le faire? Le modèle, la qualité de ton service doit venir du ciel. Quand Moïse a bâti le tabernacle, c'est Dieu qui avait donné le plan et le modèle. Et il n'a fait que suivre. Et nous, le modèle vient d'où? Le modèle vient d'où? Est-ce que le modèle vient du ciel? Quand le modèle vient du ciel, vient du maître, le service, il est authentique. Alors, il faut que tu sois authentique. Où es-tu? Eh bien, il n'était pas là où il devait être. Pourquoi? Peut-être qu'à un certain moment, il a manqué de discipline. Peut-être qu'à un certain moment, il a manqué d'ordre. Où es-tu? Voilà pourquoi Dieu peut poser la question de savoir où es-tu? Où es-tu? Quel est le modèle de service que nous offrons? Moïse, quand il a bâti le tabernacle, c'est Dieu qui a donné le modèle. Il n'a rien ajouté, il n'a rien enlevé. Alléluia! Il faut imiter, mais il faut savoir imiter. Tu imites qui? Sois authentique dans ton service. N'imite pas pour le plaisir d'imiter. Où es-tu? Peut-être que c'est mon caractère, peut-être que c'est ton caractère. J'ai suivi un homme de Dieu dire, le démon, on le chasse, mais le caractère, il faut le briser. Il faut le confronter à la vérité de Dieu, à la parole de Dieu. Où es-tu? Où sommes-nous? C'est une question qui te concerne, c'est une question qui me concerne. Peut-être que le caractère, c'est un obstacle à une bénédiction. Mon caractère, ton caractère, où es-tu? Où es-tu? C'est peut-être le moment, le lieu de faire un bilan. Nous sommes des êtres spirituels, c'est vrai, mais nous sommes ici sur terre. Amen. Pour l'instant, nous sommes à Casablanca, dans l'église. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. L'année venait de commencer il y a 8 mois. Nous sommes au 8e mois. Quand nous avons commencé l'année 2019, nous avons fait des proclamations. Il y a eu des résolutions, il y a eu des décisions, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Sois le prophète de ta vie. Chacun de nous a été le prophète de sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'arrêter pour écouter la question que Dieu nous pose? Où es-tu avec la résolution que tu as prise? Il reste peut-être 5 mois. Où es-tu? C'est peut-être le moment de dire comment est-ce que j'ai conduit ma vie, j'ai dirigé ma vie pour celui-là qui n'a jamais rencontré et connu Christ. Mais il n'y a pas que lui. Nous aussi, peut-être qu'au début de l'année, j'ai commencé. Oui, on suit. Les grands prophètes ont annoncé. Ceux qui aiment les chiffres. J'ai suivi 2 chiffres du témoignage. Ils t'ont vu. Comment tu rentres? Comment tu commences cette année 2019? 0. Oui, c'est l'élément absorbant. C'est Dieu qui prend tous tes problèmes. 1. C'est le chiffre du vainqueur. Tu es le premier. Tu es le champion. 9. C'est l'accomplissement. Oui, nous sommes au mois d'août. Où sommes-nous?
Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Oui, nous sommes au mois d'août. Les mois s'égrènent. Pour Dieu, chaque jour qui vient, c'est un nouveau jour. Mais nous, les hommes, on a dit août, c'est fixé août. Mais pour Dieu, c'est un nouveau jour. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour toi et moi? Où es-tu? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui doit se passer dans notre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui doit se passer dans notre marche. Il y a quelque chose de nouveau qui doit se passer dans notre environnement. Il y a quelque chose de nouveau. Où es-tu? Où sommes-nous? Nous ne devons pas imiter le monde, non. La parole que nous recevons, c'est la parole de vie. Il y a une puissance. Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas être un slogan. Non. Si la parole de Dieu devient un slogan, mon frère, ma soeur, je vais te décourager ce matin. Je vais te dire que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'as pas fait le bon choix. Si la parole de Dieu, c'est un slogan, non, tu t'es trompé d'adresse. Mais je crois que tu es à la bonne adresse et au bon endroit. Amen. Alléluia. Parce que la parole que tu as, c'est la solution à tout. Tu as la parole de vie, le trésor qu'il faut, ce qu'il faut pour la vie. Cette parole transforme, cette parole change les cœurs, cette parole guérit, cette parole élève, cette parole bénit. Où es-tu avec la parole? Peut-être ça concerne ta consécration, ma consécration. Peut-être ça concerne ma vie de prière, ta vie de prière. Où es-tu? Où es-tu? C'est un questionnement ce matin. C'est une remise en cause ce matin. Où es-tu? Cette question est tellement large qu'elle touche nos vies à tous les niveaux. Où es-tu? Dans ton foyer, dans ton mariage. Où es-tu? Est-ce que c'est une parodie de mariage? Est-ce que c'est un mariage selon Dieu? Où es-tu? Dans tes relations. Est-ce qu'il y a des parents ici? Où es-tu? Dans les relations avec les enfants. Où es-tu, papa? Où es-tu, maman? Où es-tu, frère et sœur? Où es-tu? Tu vas dire, Seigneur, je suis au Maroc. Alléluia. Mais tu vas dire que je suis à Casa. C'est peut-être la réponse que tu vas donner. D'autres qui me suivent en ce moment vont dire « Je suis aux États-Unis ». Oui, Dieu va dire « Et après ?» Est-ce que c'est l'endroit où tu devais être? Est-ce que c'est le jardin où tu devais être? Où es-tu? Tu es à Casa? Oui. Mais où es-tu? Où es-tu? Tu vas dire à Casa, à Dieu, je suis à Casa. Dieu va dire, je sais. Parce que Adam et Ève pensaient qu'ils pouvaient se cacher. Qui peut se cacher devant Dieu? Qui peut se cacher devant Dieu? Qu'est-ce qu'on peut cacher à Dieu? Absolument rien. Ils connaissaient la position. Ils connaissaient même leur fausse cachette. Ils connaissaient. Ils connaissaient la fausse cachette. Là où ils étaient, ils connaissaient. Voilà pourquoi il a posé la question, où es-tu? Où es-tu? C'est peut-être un rappel pour dire, tu t'es écarté, tu es sorti du chemin. Maintenant, reviens. Je ne te vois pas sur le chemin resserré. Je ne te vois pas parce que ce que je veux, c'est que tu es tombé. Maintenant, relève-toi, reviens sur le chemin.
Où es-tu? Pour ta vie, où es-tu? Il y a d'autres personnes, quand on pose la question, quel est ton CV, dormeur? Présente-moi ton CV, dormeur. Le matin, je dors. À midi, je dors. Le soir, je dors. Le rêve n'existe plus. Tu étais où? À l'église, c'est bien. Mais Dieu dit, où es-tu avec ma parole? Parce que Dieu te dit que si tu ne travailles pas, ne mange pas. Où es-tu? Où es-tu avec les études? Je m'adresse aux étudiants. Où es-tu? C'est tellement large que ça nous concerne tous, ça touche tous les domaines de notre vie. Et que ce matin, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne le temps de s'arrêter. Nous avons adoré, nous nous sommes prosternés, adorons, oui. Parfois le corps est prosterné, mais le cœur est encore debout. Où es-tu? Ce que Dieu veut, c'est que le corps, pendant que le corps se prosterne, mais surtout le cœur aussi se prosterne. Si le corps est prosterné et le cœur est debout, il a le droit de nous poser la question, où es-tu? Es-tu un véritable adorateur? Je cherche, je ne te vois pas. Oui, aujourd'hui, tous, on vient, on peut impressionner, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Quand il nous pose la question ce matin pendant que nous sommes là, il nous connaît chacun dans notre état, dans notre position, dans notre situation. Comment est-ce que nous le servons? Comment est-ce que nous nous approchons du Seigneur? Avec des vrais habits? Avec des habits de noces? Avec des faux habits? Où es-tu? Où sommes-nous ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que vous m'aimez encore? J'ai l'impression qu'on commence à me fusiller du regard. Mais j'ai le mandat de l'Éternel. Amen. Tu peux me fusiller du regard, mais l'Éternel est là pour moi. Parce que je parle. J'ai reçu son mandat ce matin. Où es-tu? Où sommes-nous? Est-ce que nous pouvons prendre le temps de nous regarder? Où est l'église aujourd'hui? Où est l'église aujourd'hui? On veut aider Dieu dans l'adoration, où nous devons mettre des lumières diffuses, où nous devons mettre la pénombre pour faire descendre la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu, ce n'est pas avec la lumière diffuse. Non, 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 non. Non, non, non. Quand on dit « nos cœurs t'adorent », nos cœurs t'adorent. C'est la disposition de nos cœurs qui feront que sa présence puisse descendre. Ce n'est pas la lumière qu'on va éteindre qui va nous rendre même myopes ou on a du mal même à prendre des notes. Où est l'église? Où es-tu? Je suis à l'église. Oui. Dieu dit oui. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois l'église. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois l'église. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois l'église. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons l'église. Si tu es à l'église, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous soyons l'église. Vous savez, on a du mal à toucher parfois nos proches. Parce que nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas l'église. Peut-être à cette question, on devait même ajouter une autre question. Qui es-tu? Qui es-tu véritablement? Alléluia. Quand tu es véritablement
véritablement disciple de Christ, oh, il n'y a pas d'effort à faire. Les gens suivront. Jésus a présenté, et Jean-Baptiste a présenté Jésus. Il n'a pas fait de commentaires. Il a tout simplement dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens qui ont été avec lui, ils ont écouté, ils ont commencé à suivre Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui les attirait en Jésus. Ils savaient que la vie était en Jésus. Ils savaient que la vérité était en Jésus. Ils savaient que tout était en lui. Ils n'ont pas eu du mal. Jean-Baptiste n'a pas dit « Suivez-le ». Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est tout ce qu'il a dit. Alléluia. Tu es où? Faisons un petit bilan. Comment est-ce que je me suis conduit jusque-là? Tu es où avec tes finances? Peut-être que là, il ne faut pas toucher. Tu es où avec tes finances? Tu es où avec tes finances? Pasteur, j'ai des problèmes d'argent. Pourquoi j'ai des problèmes d'argent? Peut-être que tu as oublié la source. Peut-être que tu as oublié la source. C'est un témoignage. Miss Merveille connaît. On avait un enfant, très bon ouvrier. Dans tous les quartiers de Brazzaville, il avait les marchés, des grands marchés. On dira, mais je ne sais pas. Mais il avait des grands marchés. Mais chaque fin du mois, il était fauché. Il dit, papa, j'ai des problèmes. Tu as quel problème? Tu as des marchés? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, je n'arrive pas à gérer l'argent. Dès que j'ai l'argent, ça s'effrite, ça s'envole. Miss Merveille a dit, il faut faire un programme avec lui. J'ai dit, non, il n'y a pas de programme. Je veux poser une simple question. Là, il n'y a pas de programme, pas de jeûne et prière. Elle peut témoigner. Je dis, je t'ai le nom. Il dit, dis-moi, est-ce que tu as le temps d'être fidèle dans tes offrandes, dans tes dîmes? Papa, tu sais, avec les problèmes que j'ai, tu sais avec les problèmes que tu as. Ah, je dis, ok, vas-y. Si tu repars ça, tu verras. Alléluia. Amen. Un mois, c'était compliqué. Deux mois, c'était compliqué. Après, il dit, je préfère d'abord faire ce que Dieu m'a dit et puis je verrai. Lui-même, il a dit, essayons voir. Et quand il a essayé, il a vu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Où es-tu? Peut-être que nous ne sommes plus sur le chemin de l'obéissance. Peut-être que nous ne sommes plus sur le chemin de la discipline. Vous savez, quand, souvent c'est un paradoxe. Quand on grandit avec le Seigneur, on n'écoute plus Dieu. Peut-être que nous devenons son ami. Le fait peut-être de dormir comme les apôtres à l'époque, ils pouvaient dormir avec le Seigneur. Le fait d'écouter ce ronflement, ils se disaient, c'est un homme comme nous, parce qu'il ronfle comme moi. Non. Non. Nous avons tellement grandi que nous n'avons plus le temps d'écouter Dieu. Mais quand on n'écoute plus Dieu, on prépare. Là, on prépare seulement l'échec. Alléluia. La vie se trouve auprès de Dieu. La vie se trouve dans l'obéissance. Où suis-je dans mon foyer? Où suis-je pour mon avenir? Où suis-je dans mes études? Où suis-je dans ma famille? Où suis-je avec ma santé? Quand Dieu arrive, il pose la question, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Oh, les cachettes. Parlons un peu des cachettes. Est-ce que vous m'aimez encore?
Vous m'aimez encore ce matin? Où es-tu? Je me suis caché. Parce que nous avons entendu ta voix. Beaucoup de cachettes. Beaucoup de cachettes. Les cachettes. Les cachettes. Beaucoup se cachent. Beaucoup se cachent. Fausse apparence. Beaucoup se cachent. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. La femme à la perte de sang a souffert. A souffert. A souffert. Fille d'Abraham, elle a souffert. Elle n'est pas restée dans les apparences. Elle a dit non. Si je peux seulement toucher le pan, si je peux seulement toucher le pan, assurément. Il y a des cachettes, beaucoup de cachettes avec les enfants de Dieu, beaucoup de cachettes. Beaucoup de cachettes aujourd'hui, nous avons beaucoup de cachettes, beaucoup de cachettes, beaucoup de cachettes, beaucoup de cachettes. Alors, quand on est dans la cachette, Dieu ne te verra pas. Il va chercher, il ne va pas te voir. Là, tu pouvais rencontrer la solution. La solution ne viendra pas parce que tu es caché. Caché dans quelque chose. Caché à un endroit. Mais je peux te dire que quel que soit l'endroit où tu te caches, Dieu sait. Et ce qu'il attend, c'est que tu viennes. Voilà pourquoi ce jour-là, il pouvait dire, Adam, où es-tu? Parce que je sais. Je sais que tu as perdu les habits de gloire. Ce que je veux, c'est que tu reviennes sur le chemin. Parce que si tu reviens sur le chemin, moi, je vais te tendre la main et je vais te relever. Il y a beaucoup de cachettes, beaucoup de cachettes, beaucoup de cachettes. La marche avec Dieu, on ne doit pas faire semblant. Quand Dieu les avait placés, ils étaient nus transparents. Nous devons être transparents avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le jour où Jacob s'est battu avec l'ange, on lui a posé la question. Quel est ton nom? Il n'a pas caché. Il a dit, mon nom, c'est Jacob l'usurpateur. Je suis fatigué de vivre dans l'usurpation. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Je suis fatigué de vivre dans le vol. Maintenant, je viens à toi tel que je suis. Mon nom, c'est Jacob. Alors, change-moi, transforme-moi. Mon nom, c'est Jacob. Je suis là. Je suis là. Je suis là. S'il faut me briser, brise-moi. Si c'est mon caractère, je suis là. Mon nom, c'est Jacob. Il n'a plus voulu se cacher. Pendant longtemps, il s'est caché dans la ruse. Pendant longtemps, il s'est caché dans le mensonge. Pendant longtemps, il s'est caché dans sa force. Mais il fallait que Dieu brise l'ange. Quand on lui a brisé, il a eu besoin d'un appui. Il ne pouvait plus, il ne pouvait plus. Il va à gauche, il titubait. Il va à droite, il titubait. Il n'avait plus d'équilibre. Il dit, comme je n'ai plus d'équilibre, dernier recours, Dieu, je m'appuie sur toi. Parce qu'il n'y a que toi qui es le vrai secours. Pas de cachette. Trop de cachette. Sortons des cachettes, venons à Dieu tel que nous sommes. Il n'y a que lui qui peut nous donner la véritable forme. Parce que nous ne sommes que de l'argile entre ses mains. C'est lui le potier, celui qui connaît la forme qu'il faut. Alléluia. S'il veut te rendre ronde, il te rendra ronde. Alléluia. S'il veut te laisser avec des rigueurs, il va te laisser. Alléluia. Viens. Il connaît. C'est lui qui doit donner la forme qu'il faut parce qu'il sait où est-ce qu'il peut t'utiliser. Amen. Alléluia. Quand il te taille, il te taille, il te taille. Il sait que quand je vais prendre cette pierre, je vais la mettre à cet endroit. Alléluia. Personne ne viendra plus tailler parce qu'il a donné la forme qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous vous rappelez de la pierre de David qui est sortie du torrent d'eau.
La Bible dit que la pierre était déjà polie. La pierre avait déjà une certaine forme, mais cette forme ne convenait pas à Dieu. La forme qui sortait du torrent, cette pierre qui sortait du torrent, c'était 5 pierres. Mais il fallait choisir la pierre qui avait la bonne forme, qui pouvait frapper Goliath sur le front. Alléluia. La pierre est sortie du torrent. Il a choisi 5 pierres. Il y en avait peut-être 1000, mais toutes les pierres n'ont pas satisfait aux exigences. Les pierres qui avaient des algues n'ont même pas attiré les doigts. Il y a 5 pierres qui ont été sélectionnées. Mais ces pierres-là avaient la forme. Mais les 5 pierres ne sont pas parties dans la lance. Les 5 pierres sont d'abord rentrées dans la gibecière. Et là, ces pierres se sont retrouvées avec les autres pierres, comme toi tu es à l'église, comme toi tu es dans le département. Clac, clac, où es-tu? Il y avait des cliquetis. Il y avait parfois des rencontres, des disputes violentes, mais la pierre était là dans la gibecière. À la fin, la main est encore rentrée dans la gibecière pour sélectionner, cette fois-ci, non pas 5 pierres, mais une pierre. Parce que la pierre avait trouvé la forme. On pouvait poser la question à la pierre, « Où es-tu ? » La pierre va dire, « Je suis dans la lance. » Alléluia. Amen. La pierre est sortie de la gibecière pour rentrer dans l'alliance. Et cette fois-ci, elle était seule, avec tous les défauts, avec toutes les vertus, prête à être lancée. Où es-tu? C'est peut-être toi que Dieu veut utiliser pour renverser un Goliath qui se trouve quelque part. La pierre était seule, prête, dans la lance. Il n'y avait plus les autres pierres. Alléluia. On l'a envoyée. La pierre est partie à frapper le front de Goliath. Goliath est tombé. La pierre n'a pas parlé pour dire « J'ai fait des prodiges, j'ai fait tomber un géant. » Aujourd'hui, beaucoup de pierres commencent à s'exprimer. La pierre qui a fait tomber Goliath est restée dans le fond, dans l'anonymat. La victoire était pour toi. Où es-tu? Voilà la question que le Seigneur te pose ce matin. Dans une cachette, devant une montagne, peut-être que tu es resté longtemps autour de cette montagne. Maintenant, il faut peut-être que tu te lèves. Non, cette montagne ne doit pas s'arrêter. Tu es resté longtemps, longtemps, longtemps en train de tourner autour de cette montagne. Maintenant, avance. Amen. Où es-tu? Où es-tu? Si je dois conclure à cette question, où es-tu? Ça veut tout simplement dire que Dieu te veut, Dieu a besoin de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que la chorale peut nous conduire dans des moments d'adoration avant que nous ne puissions prier? Peut-être que cette parole, peut-être que ce message ne concerne qu'une seule personne. Peut-être que ces 2 personnes, où es-tu? Tu peux, à partir de ce matin, t'arrêter. Peut-être que c'est le moment de faire un petit bilan, de faire l'introspection pour dire, où suis-je? Peut-être que c'est ta marche avec le Seigneur. Peut-être que c'est à la maison. Peut-être que c'est ton avenir. Peut-être que ce sont tes études. Où es-tu ce matin? Renouvelle toute chose, renouvelle toute chose et avec toi je veux avancer. Renouvelle toute
chanter. Avec toi je veux avancer. Être là où tu veux, Seigneur. Renouvelle toutes choses. Renouvelle toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Je prends le nouveau départ avec toi, Seigneur. Renouvelle toutes choses. Renouvelle toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin à Dieu, je me livre totalement, Seigneur. Je veux me livrer totalement. Peut-être que je m'étais arrêté. Peut-être que j'étais découragé. Peut-être. Mais ce matin, Seigneur, j'ai écouté le son de ta voix. Je ne veux pas, Seigneur, que ton regard ne puisse pas me localiser. Seigneur, ce matin, je me livre totalement à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Avec mes faiblesses, je viens à toi. Avec mes défauts, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Je viens à toi. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Prends la position que tu veux. Parle au Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Nous voulons nous livrer à toi ce matin. Nous venons à toi Seigneur tel que nous sommes. Peut-être que nous nous sommes arrêtés. Nous venons à toi. Peut-être que nous étions fatigués. Nous venons à toi. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, donne-moi la force. Je viens à toi comme de l'argile. C'est toi le potier. Donne-moi la forme que tu veux. Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur.
besoin de ton appui, besoin de ton aide, besoin de ton toucher, Seigneur, besoin de ton toucher, besoin de ton toucher, besoin de ton toucher, besoin de ton Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es en train de toucher une vie. Merci parce que tu es en train de toucher un cœur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci. Seigneur. Je ne livre que ta Seigneur, sers-toi de moi. Je me livre totalement, Seigneur, je me livre totalement, oui, Seigneur, sers-toi de moi, je me livre totalement, je me livre totalement, Seigneur, sers-toi. Sers-toi de moi, je me livre totalement. Je viens déposer toute ma vie. Je me livre totalement, Seigneur. Sers-toi de moi, je me Merci Saint-Esprit, viens restaurer une vie ce matin, viens restaurer Saint-Esprit, le Dieu du nouveau commencement c'est toi. Viens restaurer, c'est un nouveau jour. Viens restaurer ce matin. Ce matin, viens restaurer. Nous te bénissons. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Chéri Baba. Cheke Baba. Merci Seigneur.
Merci. 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 Merci d'être puissant. Merci d'être puissant. Merci d'être puissant. Ce matin, nous voulons revenir dans ta présence. Ce matin, nous voulons être dans ta présence. Ce matin, nous voulons être dans ta présence. Parce que la vie est dans ta présence. La vie, c'est dans ta présence. Père, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, sors, 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 sors ton peuple. Des cachettes, amène-le dans ta présence. Amène-le dans ta présence. Amène-le dans ta présence. Que tu communiques la vie. Que tu communiques la vie. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.